Quel que soit l'âge d'une personne, si la constitution ivoirienne lui permet de candidater, il n'y a pas de souci. Et puis après, ce n'est pas la peine de tipatouer la constitution pour empêcher une personne d'être candidate. Je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut vraiment arrêter ça. Présentez-vous personnellement et le parti. Je suis Lagui Zadé Eden Nova, présidente intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI. Le PPACI est un parti souverainiste, panafricaniste, socialiste et c'est un nouveau parti qui a été créé le 17 octobre 2021 à l'issue de la fusion de plusieurs partis politiques et mouvements qui épousent l'idée, l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Pourquoi les jeunes doivent-ils adhérer au PPACI et quel est le pourcentage des jeunes dans votre parti? Au PPACI, depuis la nomination des personnalités, on a plus de 500 personnalités au sein de la direction du PPACI. Au sein de cette direction-là, on a plus de 75% de jeunes qui font partie de la direction et qui occupent des postes vraiment très important au sein de notre parti. Depuis la création du PPACI, le président de ce parti-là, le président Laurent Gbagbo, a décidé de confier le PPACI aux jeunes. Et dans la configuration, on voit bien que le présidium, il y a des jeunes, il y a un jeune qui est le premier vice-président en charge de l'implantation, le camarade Stéphane Kipri. Aussi, prenons le secrétariat général, qui est le camarade secrétaire général Damana Adia Picasse. Je suis aussi jeune, je suis à la tête de la jeunesse de ce parti-là. Les jeunes disent que le PPACI est un parti du troisième âge. Votre avis? Je pense que ces personnes-là ne viennent pas à l'information. Au PPACI, pour être président de la Ligue des jeunes, il faut avoir maximum 31 ans. Pour être membre de la Ligue des jeunes, on va de 17 ans à 35 ans. Donc, quand on regarde tout ça, on ne peut pas avoir ces données-là et puis dire que le PPACI est un parti du troisième âge. Sur la question de la limitation d'âge, que dit la jeunesse du PPACI? Nous, au sein de la Ligue des jeunes, nous croyons que c'est antidémocratique. Empêcher une personne de faire la politique, empêcher une personne d'être à la tête d'un parti politique parce qu'on estime que son âge ne lui permet pas, c'est antidémocratique. Tant que cette personne-là, sans qu'il a les capacités, qu'il a les aptitudes pour diriger le pays, je pense qu'on doit lui laisser libre cours à lui de se présenter. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas, je ne sais pas, à quelle autre institution d'empêcher cela. Quel que soit l'âge d'une personne, si la constitution ivoirienne lui permet de candidater, il n'y a pas de souci. Et puis après, ce n'est pas la peine de tipatouer la constitution pour empêcher une personne d'être candidate. Je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut vraiment arrêter ça. Le parti a déjà donné sa position sur cette question-là et moi, je m'aligne. Le taux de réussite au BEPC et au baccalauréat a été catastrophique. Quelle analyse faites-vous? Cela met à nu ce qu'on dénonçait depuis 2011, un système éducatif défaillant. Je salue la ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné, qui fait assez d'efforts dans ce sens. Et l'opposition ne fait pas que critiquer. Nous pouvons aussi féliciter. Et cette dame-là, nous voyons les efforts qu'elle fait depuis sa nomination et c'est vraiment à saluer. Quel est votre regard sur la cherté de la vie? Aujourd'hui, la cherté de la vie est un fléau. Malheureusement, personne n'entend les cris et les pleurs de ces milliers d'Ivoiriens-là. À ce niveau-là, je pense que l'État devait réduire les taxes. On assiste à un désordre à ce niveau-là. Quand il y a des augmentations de taxes, le vendeur ou le revendeur, il augmente sa marchandise. Quand on réduit les taxes, le vendeur ou le revendeur ne revoit pas le prix. Et on est dans ce cercle vicieux-là. Je pense, à mon niveau, qu'on devait avoir une brigade de surveillance pour ne pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Aussi, l'État devrait réduire, voire supprimer les institutions budgétivores telles que le Sénat, la vice-présidence, les ministres-gouverneurs. Je pense que cela pourrait participer à un meilleur regard sur la situation de l'Ivoire.
ivoirien en général, puisque cet argent que j'estime qui est une dilapidation pourrait servir à subventionner des tasses. Le tarif du péage Grand Bassam, votre avis? Concernant l'autoroute de Bassam, nous avons tous vu comment la population a réagi. Les usagers de cette route-là ont préféré l'embouteillage Mons qui était au niveau de l'ancienne voie de Bassam que de payer en son temps 1000 francs aller, 1000 francs retour. On sait que la population ivoirienne peine à se nourrir. Et quand on demandait en son temps à cette population-là de donner, de dépenser cette somme-là pour aller au travail, revenir, vraiment c'était difficile. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on doit payer 500 francs, mais c'est avec un certificat de résidence qui coûte lui 2500. Moi, je pense clairement que c'est une arnaque. On ne voit pas l'effet de tous ces points à péage-là sur nos routes. Et d'ailleurs, c'est pas normal qu'on trouve assez de points à péage en pleine agglomération. C'est pas vraiment normal. Je pense que ce sont des choses à revoir. Que retenez-vous du discours du président de la République à la veille de l'indépendance? Le parti a donné sa position claire sur le discours du président de la République à cet effet. Personnellement, je suis resté sur ma faim après le discours du président de la République. Depuis plus de 10 ans, les Ivoiriens ou la majorité des Ivoiriens, lorsqu'au soir du 7 août, ils attendent une décision qu'on puisse libérer les prisonniers politiques et militaires. Il y en a plein qui ont perdu la vie, il y en a plein qui sont malades et nous attendons que le gouvernement prenne des décisions allant dans ce sens. L'opposition fait ce qu'elle peut pour apaiser les choses. J'appelle le gouvernement à faire plus d'efforts dans ce sens-là. Votre mot à la jeunesse. Je voudrais appeler tous ces jeunes qui rêvent d'une Afrique meilleure, d'une Côte d'Ivoire nouvelle, d'une Côte d'Ivoire forte, avec des valeurs qui nous réunissent, de rejoindre le PPACI. Appelez surtout les jeunes filles à faire comme moi. Venez, rejoignez le PPACI. Vous avez plus de raisons de faire la politique. Parce que vous, jeunes filles, vous êtes des mères. Et quand les décisions sont prises à la tête de nos nations, c'est nous qui en payons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est nous qui en payons le prix. Alors, jeunes filles de Côte d'Ivoire, jeunes filles africaines, venez, rejoignez-nous au PPACI, qui est le parti de l'espoir. Je vous remercie.